Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis à Villetoureix dans le 24 en Dordogne pour une balade de 70 km. Et là il est 8h du matin. Je suis un peu arrivé à la bourre mais je pense que ça va aller. Allez, c'est parti et puis je vous fais découvrir une belle balade une fois de plus. Chaud le café, chaud le café. Oh Michael, c'est à toi qu'il a fait un moteur tournoi racing? Ouais, c'est à moi. Le moteur qui envoie du steak là? C'est ça, à fond. Il marche le moteur de Peugeot 103? Ah oui, c'est un fauve, il marche à fond. Mais bon, là je l'ai pas, mais c'est dommage. Ah ben ouais, ça marche trop pour les petites balades comme ça. Après tu te... Ouais. Donc, c'est que des mobilettes d'origine, t'as un gros bordel comme ça, ouais, tu dis pas l'essence et tout qu'il faut. Ouais. Mais bon, avec un peu de regret, j'avais voulu le prendre, mais bon, t'as vu le parc. Et moi, en fait, tournoi, c'est avec cette vidéo que je l'ai connu en fait. Ouais, bah, c'est sur la vidéo du 103 quand il le passe au banc. Quoi. Ouais, bah, ça fait 2 ans. Donc ça fait au moins 2 ans. Ouais. Ça fait au moins 2 ans, c'est ça cool. Passe. Hein. C'est cool. Ouais, bah, on va profiter des événements qu'il y a, c'est clair. Merci. Okay. Bon, on va aller rouler, ça va être cool. Ouais, on va aller rouler sans tomber en rade, j'espère qu'on aura assez d'essence, c'est clair. Ouais, 70 bornes. Ouais, 70 bornes, mine de rien. Moi, j'ai le réservoir à 70 bornes. On va rouler, ça va être cool. Ouais, ça va le faire. Bon, du coup, on est 90 aujourd'hui, ça va être pas mal. 90 sans compter toutes les motos qu'il y a là. Ouais, voilà. Il y a pas mal de bécanes. Donc là on est 90, ça va être bien. Ouais, ouais, franchement ça va être bien. Ça va bien. Quand t'as un petit vogue avec un petit kit Polini du coup. Ouais, un petit 50 Polini, bon, ça se tire, mais bon ça va le faire. Pour l'événement ça suffit quoi. Ah, une belle mobilette, ça fait plaisir là. Pas les gens vintage. Donc j'espère que cette année il y en aura zéro. La moitié du donc on va voir. Donc déjà on va partir. On va partir déjà d'ici, on va aller sur Allemand, ceux qui connaissent, Combéran chez Peluche, Saint-Antoine de Cumont pour monter sur Saint-Olé. Là à Saint-Olé, il y aura la pause casse-croûte. Donc les mobilettes auront le temps de refroidir, tranquille, un peu de mécanique, et après, par la suite, on redémarre, on prend la vallée de l'Arizona et tout, et on monte sur Siorac, Siorac. Et là, à Siorac, on va faire un petit arrêt, parce qu'on peut remercier quand même le comité des fêtes de Siorac, ils nous offrent un petit kir. Donc on peut les applaudir déjà.
Donc le comportement de la rando, quand vous allez partir, vous allez avoir des motos qui vont passer devant, qui vont sécuriser tous les carrefours. Ce que je vous demande simplement, de ne pas vous doubler sur les petites routes, quoi que ce soit, je parle des mobilettes. Parce que les motos, bien sûr, pour remonter la file, il va falloir qu'elles vous doublent pour remonter. Donc si vous faites des écarts, ça peut être très compliqué. Parce qu'on ne va pas passer à 30 à côté de vous, donc faites très attention. C'est tout ce que je vous demande, pas faire l'âne. Et surtout, il ne faut pas dépasser la Méhari. La Méhari, c'est la voiture qui est devant. Donc celle-là, vous ne la dépassez pas et normalement, ça va bien se passer. Après, je vais remercier, bien sûr, nos deux sponsors, Pixavel et la carrosserie Picasso. Ils sont là pour les plaques phares. Après, bien sûr, je remercie toute mon équipe de l'Amicale Laïque qui a œuvré tout hier pour organiser cette rando mobilette. Repas qui va se situer tout à l'heure. Normalement, vous ne devrez pas être déçus, il y a un très bon repas. Donc avant ça, je vais vous passer M. Patrick Lachaud, notre maire du village, qui va nous donner un petit mot. Et tant qu'à moi, je vous dis merci et une bonne rando. Le soleil est en train de se lever, tout le monde a nous annoncé de la pluie, mais finalement, nous avons tout fait pour la chasser. On y a passé la nuit, mais bon, ça a à peu près l'air de prendre. Voilà. Donc, je voulais juste apporter deux, trois petits messages. D'abord, ce message de convivialité, de courtoisie, qui va être le leitmotiv de cette journée. Donc, on n'est pas là pour faire des courses, on est là pour faire une randonnée. Donc, il y a une équipe de motards qui sera là pour sécuriser les carrefours, pour escorter. Faites attention à eux, donc ils vont rouler beaucoup plus vite que vous. Donc on va passer sur des petites routes. Des petites routes, donc ils vont devoir aussi remonter parce qu'il y a des carrefours. Pas sûr, pas sûr. Donc faites attention, on fera par étapes. C'était quand même une belle matinée, une belle rando. J'espère que ça se passera aussi bien que ça s'est passé l'année dernière. Parce que c'était déjà très bien. Et puis, je dis, respectez bien, ne pas personne ne dépasse la mairie. Et faites attention sur la route. Merci beaucoup et bonne balade. Par contre, n'ayez pas peur, on va avoir le soutien de la gendarmerie. Donc, si vous voyez la gendarmerie qui suit le monde, c'est tout à fait normal. Ils sont là pour sécuriser aussi. Les Allez, c'est parti, on s'équipe, on va s'équiper. Allez, on est parti les gars. Allez, c'est parti! Le départ! Je suis à contre-jour, mais je m'en fous. Voilà, ça part, ça part! Le soleil en pleine face, on s'en fout. Voilà les charmantes dames là. Ouais, ils sont chauds les gars, allez c'est parti. Allez.
on est bien nombreux quand même. Bon, on vient de partir, ça fait 10 minutes. Mais alors là, on roule à 30 km/h quoi. Je m'ennuie déjà. Et là, à l'instant, j'ai failli finir dans le fossé en allumant la caméra. Bon. Oh, enculé, on n'accélère pas quoi. Quoi. C'est vrai que c'est chiant là de pas rouler par contre. Oh là là. Là je vais caler à force. Eh, je vais caler à force de rouler tranquille comme ça, moi. Ouais, c'est ça. Et moi, je m'arrête. Et ouais, mais moi, je vais faire pareil, je vais m'arrêter aussi.
petite balade. Alors là c'est tranquille hein, par rapport quand on se balade avec les copains, nous, entre nous là. Il y a de la grosse mobilette hein. Voilà, ça roule entre 20 et 30 km/h. Voilà. Donc là, si tu as une mobilette d'origine, c'est parfait. Allez, à tout à l'heure les amis. Regardez cette belle file là de mobilette. Tu veux entendre combien tourne le Vox. Allez, c'est parti. Bon allez, à tout à l'heure. Ça fait du bien. Ah ! On a décrassé la chiotte. Ah, ils sont contents, on a tapé la bourre là. On a notre ami Babas, hein. Merde, il est parti où le copain Babas? Ah ouais. Regardez les copains, on a Babas. Il y a Babas mon ami, il est là mon copain Babas, hein, Babas.
On a tous un sosie dans la vie, pas vrai? Ouais, exactement. Ouais. On a tous un sosie. Ça marche bien ton truc, putain, hein. Franchement, wow. C'est pas possible, t'as la même chose. Bah ben, ouais. C'est bien réglé, ça marche ça, bien. Franchement, c'est... Ah non, mais elle marche. Je te promets, ça marche. Merci, c'est gentil. Non, mais non, mais ça marche. Là, elle part en peinture, je vais tout refaire, là, je l'amène en peinture, là. Ouais, mais ça marche. Et je vais préparer un peu l'échappement, juste. Ouais. Je suis pas haut, je suis à 176 à l'échappement. Hein. Franchement, est-ce que la carte ça comprime à 13,5 ou 12,5, je crois. Donc là, voilà, on fait la pause casse-croûte. Il est... quelle heure il est? Il est 10h30. Voilà, petite pause pour le casse-croûte. Tranquillou. Donc là, je vais aller me faire un petit sandwich. Parce que j'ai la dalle. Là, il y a les motards. Ah, voilà notre ami. Ça se passe bien, parfait. Impeccable. Ouais. Alors, on ne peut pas mieux choisir. Le temps est là, tout est là. Ça donc maintenant, on a fait la moitié du parcours, il reste ouais. L'autre moitié. Et ouais. Des fois, c'est pas le plus facile. Hein. Ouais. Mais bon, ça va bien se passer. Là, ça roule tranquille, ça va. Là. Ouais, ça va. Ouais, c'est bien. Là, au retour, on va essayer d'accélérer un peu. Parce qu'il y en a qui veulent se faire plaisir, bien sûr. Ben, nous, t'as vu? Oui. On peut pas, moi, je peux pas m'en empêcher, je suis obligé. Ben, oui, c'est bien vu. Ça sent vous garer sur le côté et après. Vous... Ouais, on attend et après, on redouble tout le monde en faisant attention. C'est normal. Après, moi, j'ai l'habitude, moi, avec les copains. Et là, on a sorti les motos, on a fait les mobilettes de l'arrière arrière. Ouais, arrière, ouais, ouais, ouais. Là, il y a de la vieille. Là, il y a de la vieille mémère, là. Ah, la ouais. Vieille mémère. Mais elle marche encore, hein. Ben oui, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Bon, voilà, les gars. Là, je me suis fait un petit sandwich. Petit sandwich ventrèche. Là, c'est rayette. Voilà, là, je bois du jus d'orange. Hein. Je suis pas alcoolique. Ouh, là, on va aller voir, là. Il y a des problèmes. T'as changé la bougie? Ouais. Il a changé. Ouais. Change la bougie. T'as changé? Allez, change la bougie. Éteins, Mason. On dirait un problème d'allumage. Ouais. Non, tu sais, ça coupe net. Ouais. C'est allumage. Moi, ça me le faisait aussi sur la mienne. J'ai changé la bougie. J'ai mis une bougie neuve, ça marchait pas. Enfin, ça faisait pareil. C'était arrêté. J'ai changé la bougie, j'ai mis l'ancienne et ça remarque. Et c'est une bougie neuve là que t'as mis? Je crois qu'il a mis une bougie neuve. Mais des fois, les bougies neuves marchent pas aussi. Hein. Ouais, ça, ouais. Arrive, ouais, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. On remet l'ancienne, alors à ce moment-là, elle est dedans, ouais. L'ancienne bougie. Tu rapproches tes celle-là, là. C'est ouais, je crois que c'est ça. Ça, c'est le symptôme des électrodes. Tu sais, j'ai nettoyé le carbu, il y avait de la merde un peu dedans. Ouais. J'ai dit, après, il y avait le carbu qui est un peu sale aussi. Ouais, ouais, ça, c'est les électrodes. Ouh, les pauvres. Ouais, pauvres. C'est quoi comme carbu? C'est un carbu 14. C'est un sachant? C'est un Gunther. T'as pas un gicleur? Non, mais t'as pas le gicleur là hein. Ouais, c'est un peu trop écarté ça. Ça c'est une bougie froide, ça c'est bon. Personne. Elle s'est tournée là, ça va. C'est bon. Ah ben elle est mouillée, on dirait un problème d'allumage. Ouais. Ton électrode est en plus, c'est quoi aussi. Cette bougie là? Oula. Bah oui. Oh, ça fait peur ça. Tu connais pas l'indice là? Non. Ouais. On va remettre celle-là. Mais là, à mon avis, là, t'es bonne, hein. Essaye, là, pour voir. Essaye, celle-là, il y a une. Là, ça fait donc, c'est les électrodes. Bon, voilà, les gars, là, ça bricole un peu. Le petit Garelli, il avait des petits problèmes de... On dirait des problèmes d'allumage. Bon, voilà. Allez. Moi, le souci, du coup, j'étais derrière Gérald, je me suis arrêté, regardez, je me suis arrêté dans l'herbe. Ah non, là, c'est autre chose. C'est un allumage à rupteur? C'est des rupteurs là-dessus, non? Sûrement, je connais même pas. C'est pas la bougie, ça. Non, je connais la marque, mais je connais pas ces moteurs. Peut-être que le bon azote va la chercher. Il doit être chaud, ouais. Avant qu'elle chauffe, nickel, elle marche super bien. Ah, mais ça doit être un allumage à rupteur, ça, c'est condensateur là. C'est le condensateur ou les rupteurs qui déclenchent. Les rupteurs sont peut-être trop frais ou trop écartés. Tu l'as laissé refroidir? Tu l'as laissé refroidir? Bah, elle était dans le camion. Ah ouais? Ouais, mais elle refroidit pas un quart d'heure. Ouais.
Ouais, on dirait un problème d'allumage. Ouais. Bon, à suivre. Bon, allez, on va repartir. Parce que là, les gars, ils sont chauds, là. Ils sont chauds, patates. La belle mobilette. La belle mobilette.
aujourd'hui. Merci Stéphane, c'est génial. Merci à toi, on est là. Au plaisir. Allez, on continue les gars. À tout à l'heure. Oh la vache! Oh! Dedans. Oh, regarde dedans la bougie là! Ah, mais elle est blanche, elle est pas mouillée! Hein. Ah, les gars, c'est beau là! C'est le carbu, hein! À mon avis, il bougeait! Regardez les gars, c'est le sosie à Vincent Cassel! Regardez le sosie à Vincent Cassel! Ah, il veut pas se montrer! C'est une star! Il veut pas se montrer à chaque fois! Il pourrait faire la doublure à Vincent Cassel en plus! Avec les gants, c'est bon, on va voir si ça repart. Avec les chapeaux en plus. Et oui, c'est pour ça. Allez, 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 ouais.
Bon. Ça vaut pas ça, c'est... Après manger, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Après manger, ça fait du bien. J'adore. Le foie gras, hein, faut le brûler. Allez, Titine. Vas-y, Titine, démarre. Bon, tant pis. Mais si, on va le faire, là. On va la pousser. Vas-y, papa. Et puis démarre, on le voit. Ouais. Ouais. Il n'y a pas le ralenti, par contre. Ah, mais voilà. J'ai démarré. Quel âge il a ? 8 ans. 8 ans ? Ah ben là c'est encore mieux, 8 ans. Bon voilà les gars, je vais essayer la mob Anthony qui me la prête. Et moi je vais lui prêter le petit Peugeot là. Comme ça on va finir la vidéo là sur ça. Donc voilà. Là on attend Babas. Babas. Trop marré. Et voilà. Et je pense qu'on va se terminer sur ça les gars. On va filmer. On y va les gars. Allez. Kit 50 Bidalo de chez VSX reproduction. Voilà le vario et tout. Ça marche.
Enculé! T'es trop... km/h, tu vois. Eh, en fait elle marche bien, c'est toi qui es trop grand. Ouais, en fait elle marche très très bien. Eh ouais. Moi je fais que 75. Et le vario il est monté à fond. Ah merde. Ouais, j'aurais dû remettre un peu là. Eh franchement il marche bien le kit bidalo là. Ouais, il marche bien hein. T'as vu quand je suis dessus? Eh. Il y a encore là. Ah ouais, vas-y teste. Et tu vas voir, ça patine un peu et t'appuies légèrement sur la pédale et tu vas voir, elle va partir à fond. Mais comme tu veux. C'est quoi? Ok. Bon, à tout à l'heure. Oh non, ça freine pas hein. Elle marche bien ta mob. Elle marche bien hein. Eh, il faut que tu mettes une couronne de 60 pour toi. Et là j'étais pas à fond hein. Ouais, j'étais même pas à fond hein. Allez c'est baba, c'est pour la mobilette.
Ah, la couronne est morte, moi, ça y est.